Salut l'équipe, bienvenue sur K-Lab. On est super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, c'est l'épisode 2 d'une série qu'on a commencé il y a quelques mois. Ouais, avec le All My Sneaker. Le All My Sneaker. Donc, on va faire mon All My Sneaker. Qui est très très beau. Vous avez bien kiffé celui de Baptiste. Donc, l'équipe, pour vous expliquer un peu, depuis 6 mois maintenant, j'ai beaucoup de paires à rock. Et donc, les dernières paires que j'avais achetées, je les ai pas rockées. Et en fait, je prends limite un plaisir à avoir ces paires DS. Et les voir, enfin tu vois, les regarder, les voir DS et tout, et c'est aussi un kiff que je prends. Donc il y a des paires qui sont encore DS et je sais pas si je les rock, mais bon. Du coup, on commence. Boîte de New Balance, je pense que vous avez déjà peut-être pu la voir dans l'une de nos vidéos, mais du coup, la 2002R. Protection Pack. Non, pas le Protection Pack. Ah oui, non, ça aurait pu du nom, mais c'est pas le Protection Pack. C'est la 6 salt en tout cas. Et DS, StockX. Donc DS, voilà, acheté sur StockX, 200€ il y a. L'été dernier, ça va faire un an. Oh, c'est ouf. Hein. Et que j'ai pas porté. C'est fou. Alors, moi, je voulais vraiment la porter, mais en fait, qu'elle soit hyper fragile, hyper blanche, ça m'a fait peur. Donc, pour l'instant, j'ai pas porté. Donc, ensuite. Jordan 1 High à ma manière. Et ouais. C'est une paire qu'on a en commun. Que j'ai acheté avant toi. Ouais, que t'as acheté avant moi et que j'ai trouvé magnifique. Ouais. Mais par contre, celle-là, je vous jure, j'allais la rock. Mais quand Baptiste la rock, ouais. J'ai vu qu'elle se défonçait super vite à cause de ce cuir. Ouais, de en fait, ouais, c'est ça, le cuir il se craque. Mais en fait finalement, le fait que le cuir il se craquelle un petit peu, tu vois, je trouve ça. Je trouve que ta paire, du coup, elle est encore plus unique. Ouais, je voulais la vendre de base, mais ouais. Après, cette paire, c'est vraiment, quand je l'ai ouvert, je me souviens, quand j'ai reçu le colis, la première chose que j'ai dit, c'est une œuvre d'art. Ouais, c'est vrai. Hein. Et pour le coup, cette paire, c'est peut-être la seule paire dans ma collection que je considère vraiment comme une vraie œuvre d'art, vous voyez, dans la qualité et tout. C'est incroyable. Je garde DS en mode, putain, je sais que je pourrais l'exposer un jour et je sais que pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est vrai que c'est incroyable, la qualité. À ma manière, ils ont vraiment fait du taf, en tout cas sur la Jordan 3 et sur la Jordan 1. Le reste, on sait pas, parce qu'on n'a pas pu. Jordan 2 qui arrive très très bientôt, ouais. Quand même. Ouais, ouais. On n'a pas pu voir passer entre nos mains pour l'instant, mais c'est vrai qu'à ma manière, ils font du taf, mais. Ouais. Un truc d'incroyable. Bon, je pense que si vous nous suivez un petit peu pareil, vous avez pu l'avoir passé. La base, c'était une paire que je devais rock. Ouais, aussi, toujours. Mais celle-là, j'ai une vraie excuse pour pas la rock. Elle est trop petite. Elle est trop petite. Une taille très petite et je savais pas. Et t'as remarqué un défaut sur la paire. Ouais, alors il y a deux excuses pour pas la rock. Donc, elle est très petite, je peux vraiment pas la mettre. Genre, si vous voulez acheter une Dunk of Fight, prenez plus 0,5 voire plus 1. Donc, moi, du coup, je peux pas la rock. J'aurais pu la vendre et tout, vous avez raison, mais. On trouvait aussi, surtout qu'il y a eu l'événement du coup du décès de Virgil, et on trouvait ça important, enfin après voilà. Par la suite de garder. Pour nous, en tant que grand fan de sneakers, ouais, garder une des dernières paires qu'il a faites en collaboration avec Nike, c'était aussi un objectif pour nous et je suis content. Ouais, merci. Et voilà, donc en soi, c'est aussi une petite satisfaction d'en avoir une encore DS. C'est et vrai. Celle-là, on n'est pas prêt de la vendre. Non, c'est sûr. On la vendra sûrement jamais d'ailleurs. Et tu montres le petit défaut ici. Voilà. Et comme on l'a remarqué, un beau petit défaut de couture. Je sais pas si vous le verrez, mais voilà une couture qui est pas dans l'axe. Donc C'est vrai que ça fait un peu chier, surtout que là on parle quand même d'une collaboration avec une marque quand même considérée de luxe. Et bon, après voilà, ça arrive des petits défauts comme ça. Taille bleue. Après, mais, si vous demandez pour les lacets, c'est moi qui les ai changés. Ouais, c'est ça. J'essaie de faire un petit custom. Et voilà. T'as acheté ça où Sur All Above Store. C'est okay. Un super petit truc que pour les lacets. Ok, stylé, très stylé. Vas-y. Ouais, quatrième paire. Celle-là est rockée. On démarre les paires qui sont rockées. Ouais, je me souviens de cette paire. Hein. Cette paire, vraiment, c'est un coup de cœur sur le moment. C'était pas du tout prévu que je l'achète. Puis j'en avais parlé à Baptiste la matinée avant qu'on aille in-store. On était chez Size. On sort in-store et on la trouve chez Size, mais genre 6 mois après la release. Ah, ouais. Après, la paire coûte pas rien du tout. C'est juste une marque 90 Bitcoin. Ouais, mais quand même, la trouver en shop comme c'est ça. C'est ça, la trouver en shop en 45,5. C'est ça. Faut l'avoir. Et puis, elle est vraiment magnifique. Enfin, moi, j'avais hésité à la porter, mais bon, pareil, après, les occasions ont fait que je n'ai pas pu la prendre. Mais du coup, moi, je la trouve super belle. Les couleurs, elles matchent très bien entre elles. Et c'est une super belle paire. C'est ça. En fait, chaque paire de ma collection, c'est vraiment une occasion pour laquelle j'ai pu l'acheter. Sinon, je l'aurais pas. Ouais, t'as raison. À ce moment-là, les choses se sont faites et j'ai pris la paire. La dernière paire DS de ma collection. La plus belle, hein, vous l'avez déjà vue sur la chaîne. La plus belle pour Baptiste. Mais... Ouais. Air Max One. Dunk SB. Par abstract. Ouais. Donc ça aussi pour moi c'est une paire que je considère un peu comme une œuvre d'art, moins que la même manière, mais elle est trop vraiment pour une œuvre d'art.
celle-ci a aucun défaut, rien du tout. Et juste, je sais que ça va vraiment paraître bizarre pour des gens, mais juste des fois ouvrir la boîte, la regarder, en discuter avec Baptiste, lui dire que cette paire elle est DS et que je sais pas, c'est beau, une petite satisfaction, tu vois. Il a raison, c'est beau. Et bon, rien à dire sur la paire. Moi, franchement, je le verrais bien rock ça l'été en short et tout, mais bon. Mais je vais peut-être la rock un jour, mais pour l'instant, voilà. T'as raison. En tout cas, elle est magnifique. Ensuite, je tenais à vous présenter la paire de sneakers que je rock le plus au quotidien, qui sont mes Easy Slide purs. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et pour cette paire, c'est incroyable. C'est une paire de sneakers, mais je veux plus marcher sans ça. Finalement, enfin, il m'avait dit qu'il avait acheté ça pour chez lui, et j'avais trouvé ça quand même un peu aberrant d'avoir acheté des slides pour marcher à la maison. Et finalement, j'ai eu l'occasion de pouvoir les porter dans la vie de tous les jours, et je les ai gardés. Donc bon, on attaque, on reprend les vraies paires de sneakers. Ça aussi, cette paire, elle a une belle histoire, c'est que je l'ai payé 100 euros au lieu de 200. C'est ouf, hein. Bastille. Je sais même pas que c'est sorti en shop. Bastille, à l'époque, c'était en remise, personne n'en voulait. Et cette paire, je prends un tel plaisir à la porter, parce que personne ne l'a. Et tu veux pas qu'on fasse une vidéo là-dessus où on découpe le... Non, celle-là, on va pas la découper. En dessous, c'est vraiment moche, par contre. Mais cette paire est incroyable. Jordan 5 Low, nouvel en chinois. Et on la voit très peu. C'est vrai. Mais waouh, quelle beauté, vraiment quelle beauté. Quand il l'avait acheté, je la trouvais pas non plus très 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 belle, mais c'est vrai que les couleurs matchent bien entre elles, et j'avais même pas vu la paire passer sur... Ça avait pas fait de bruit, quoi, c'était vraiment une paire qui était passée. En tout cas, même la boîte a été super. La boîte, tout est bien taffé, franchement, c'est un sans faute cette paire pour moi. Surtout, la payer 100 euros au lieu de 200. Ah, tu m'étonnes. C'est carrément bien. De toute façon, vous allez voir que la plupart de ces paires, c'est souvent des bonnes occasions qu'il a eues, et des fois, c'est la meilleure des choses, le fait d'attendre et de choper une bonne occasion plutôt que de choper la paire au prix fort. Donc il a raison. On l'a déjà vu passer. Ça aussi, ouais, on l'a déjà vu passer plein de fois. Mais c'est un peu ma Air Force One, comme dirait Baptiste. De tous les, je sais pas si vous voir. Tu veux la présenter ou... Non, vitesse, voilà, c'est 700 Safflower. La paire est vraiment défoncée. Alors qu'on a fait une vidéo et de la cleaner, hein, vous avez vu. La paire, vraiment, c'est la Air Force One que limite je porte tous les jours, quoi. Donc voilà, c'est mon bébé, faut que je la change. Parce qu'il y a des trous partout, elle prend l'eau et tout. Et du coup, tu voudrais la remplacer par une autre paire ou... Faut que je la remplace par une autre paire que j'ai envie de saigner et tout. Et j'hésite peut-être à reprendre une 700 V3 ou partir sur autre chose, mais l'autre chose serait plus pour remplacer une autre paire qu'on va vous présenter. Donc on continue. Oh là là. Toujours en continuation. Vous allez le voir, j'aime beaucoup compléter les packs. Ouais. Genre, c'est un peu un truc débile pour pas qu'il y ait trop de paires, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Surtout qu'ils complètent des paires avec des bonnes paires. C'est la pas... SB Para, celle-ci pour le coup, je l'ai vraiment rock, bien rock d'ailleurs. Ouais. Elle est magnifique. Et cette paire est vraiment magnifique. Aujourd'hui, moi, je me tâte d'en prendre une dans ma taille parce que même les lacets, elle est vraiment magnifique. Ouais, moi, j'avais payé ça 280 euros. Sur un mec qui est super sympa, en plus je lui parle plus du tout, mais c'est dommage. Il vendait plein de paires que en 45, incroyable ce mec. Et tu l'as acheté quand même il y a longtemps, hein. Moi je l'ai acheté il y a plus d'un an, hein. J'ai acheté il y a même plus de 2 ans, je pense. Ouais. C'est une des premières paires. Elle est super belle. Et voilà, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Waouh, la deuxième paire de sneakers que j'ai acheté de ma vie, avant tout ce qu'on est en train de faire là. Et ça, pareil, c'est bien rocké aussi. Et ça, c'est une paire qui marque le début aussi un petit peu de notre. De tout. De tout, en fait, de notre passion autour des sneakers. Et je me souviens, c'était ta deuxième paire ? Deuxième paire. Sa deuxième vraie paire qui l'a pu rock, et c'est beau. Ouais, je me souviens, je m'étais vraiment. C'était le premier été, j'avais 16 ans où je bossais, et je m'étais payé ça comme cadeau. T'as payé ça combien ? 380 euros. Ce qui reste toujours un super bon prix. Mais elle était pas DS, on l'avait acheté. Okay. Donc 380 euros, pas DS, il y a plus de 2 ans maintenant. Donc à l'époque, c'était limite un peu cher. Je ne m'y connaissais pas trop, donc vas-y, j'avais pris ça. Là, de mon côté, on va attaquer mes pépites. Ouais. C'est le modèle que j'ai le plus dans la collection. C'est les Sakai. Oh, et on attaque avec sûrement une de mes préférées. Franchement. LD Waffle Gusto. Il a des super. Enfin, les Sakai qu'il a sont magnifiques, vraiment. Et cette paire, enfin, je sais pas comment décrire cette paire, mais le fait de. Moi, les paires, je les porte pas hyper souvent. Je les porte, mais pas, je vais pas la mettre tous les jours. Et donc, elle reste en bon état. Sachant que là, elle est pas lavée et tout. Elle reste en bon état. Et de la voir
c'est incroyable. Ah, non, la porter vrai. Quand je la porte. Mais surtout pareil, moi, j'ai des souvenirs où tu l'as portée même quand on était au lycée et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu l'as depuis combien de temps ça? Je l'avais acheté avant que tu achètes Air Force One Travis, parce que c'était au même mec. Ouais. Et on l'avait acheté, je pense, il y a bien plus de 2 ans. Voilà. Et surtout, surtout 300€ DS à l'époque. 300€ DS, c'est incroyable quand même. Quand tu dis qu'il y a 2 ans, peut-être les paires, entre temps, ont le temps quand même de beaucoup. Ouais. Comme je vous l'ai dit, j'adore présenter les packs. Mais surtout que lui pour le coup, aime beaucoup Sakai. Et j'aime beaucoup les Sakai. Donc, la deuxième. Qui complète le pack des premières Sakai qui sont sorties. Ouais. En collab avec Nike. C'est fou, hein. C'est fou. Je suis pas peu fier, celle-là aussi en très bon état. Et elle est magnifique. Et je suis vraiment content. Genre, vraiment, c'est une satisfaction, certes un peu débile si vous n'êtes pas passionné de sneakers, mais d'avoir les deux premières Sakai. C'est fou. C'est incroyable. Et surtout que pareil, t'as chopé ça à bon prix. C'est chopé ça à très bon prix grâce au frérot Pierre-Louis qui me l'a envoyé. T'as vu ça à combien? 300€, mais pas DS, pas DS. Je l'ai acheté il y a 2 mois. Parce qu'il l'avait rock un petit peu? Ouais, il l'avait un peu rock. Bon, en tout cas, elle est magnifique. Elle est super. Il n'y a rien à dire. Bon, là, par contre, le pack est un peu plus complété parce que ça va beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop de paires. mais c'est ma paire préférée de DLD Waffle. Je crois que les black and white sont belles aussi, mais celle-là. Moi, je la trouve beaucoup plus belle. Avec des couleurs comme ça. Ce qui est spectaculaire avec cette paire, c'est le confort. Parce que pour le coup, avec les Waffle normales. Non, les LD Waffle, ça, c'est les Vapor Waffle. Avec les Vapor Waffle, le confort est incroyable. Là où avec les LD Waffle, c'est un peu moins bien. Mais cette paire-là est vraiment folle. Et je prends vraiment un plaisir. Les Sakai, c'est les paires que je prends le plus de plaisir à rock. Mais surtout, ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que ça a vraiment l'air pour le coup d'être confortable avec cette triple semelle. Ouais, et puis c'est dès que je marche dans la rue, les gens ils regardent, ils comprennent pas ce que c'est et tout. Ça me fait gaulerie de fou. De ouf, de ouf, de ouf. En tout cas, la paire, elle est magnifique. Ouais. Franchement. Ouais, bon, c'est une pépite pour moi. Et ça, pareil, j'avais chopé ça pendant le confinement. DS. 300€ et quelques. 300€ à peu près. De toute façon, vous aurez à peu près la cote de la paire pour vous montrer comment la paire elle a up entre temps quand même. Donc, du coup, l'équipe, on enchaîne avec la dernière paire de Sakai, mais aussi la première paire de sneakers que j'ai achetée. Ouais, c'est vrai. Ça, pareil, c'était l'une de tes premières paires. Ouais. Bah, ma première paire de sneakers que j'ai achetée. C'est la première paire que j'ai achetée au resell, genre pour une. Ah ouais. Vraiment en me disant c'est une paire de sneakers. D'accord, ouais. Parce qu'il y a eu une paire avant, mais je savais pas ce que c'était. Alors, moi quand il l'a acheté, moi j'ai trouvé au début ça faisait très clown. Ah oui, c'est réel. Ouais. Ça fait, surtout avec des grands pieds comme ça et tout, ça faisait un peu cool, mais cette. Bon, sachant qu'au début, quand je la roquais, c'était avec un jean skinny et tout. Mais c'est grave, ça c'était une ancienne époque. Ça va faire bien 3 ans et demi que je l'ai. Oh là là. Elle est belle, hein. Ouais. Elle est super belle. Et même pareil, se dire que t'as ça aujourd'hui, c'est. Bah, c'est une fierté. Enfin, tu vois, cette paire, elle a vraiment une histoire. Ouais, non, bien sûr. Une histoire et bien cette paire, c'est. C'est assez. C'est un truc, c'est confort et tout, c'est très fragile, mais la mienne, j'en prends soin. Donc voilà, c'est ma première paire de sneakers. Est-ce que c'est la première Blazer High Sakai qu'ils ont sorti? Ouais, bien sûr. Et alors, donc c'est en plus, c'est la OG. Ils ont sorti, ouais, avec la. La bleue qui était sortie avec en même temps, mais j'avais préféré celle-là. Donc vous avez vu, on a pu voir sa collection complète de Sakai, mais ce n'est pas fini, parce que ici, qu'est-ce qu'on trouve? Et ça, c'est mon plus gros regret, mon plus grand regret. La maison Château Rouge. J'ai mis une maison Château Rouge, pareil, en très bon état, mais bien roqué. Ça, bien roqué, en bon état, acheté 170€ à la sortie. Euros. Mais ça n'est su pour rien, c'est Baptiste qui n'a pas voulu l'acheter, c'est pas moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, en l'occurrence, je l'ai acheté, j'en ai profité. Je savais pas du tout que ça allait up, je ne les connaissais pas à l'époque. Mais voilà, j'ai acheté ça pour plaisir. C'est trop ouvert, là, c'est marrant. Non. Donc voilà, celle-là, elle est toujours en bon état et je prends toujours un aussi gros plaisir à la porter. 170€, c'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Continue avec du coup la première paire de sneakers que j'ai acheté, mais sans vraiment savoir c'est une paire de sneakers. Et surtout que c'était en shop et tout. Ouais, un Snipes. Et quand j'ai regardé la cote, il y a, je sais pas, genre un mois et demi, j'ai regardé la cote, c'est 400€ neuf sur Snipes. Ça a aucun sens. T'avais acheté combien en prix boutique? 110€. Enfin, ça dormait dans les Snipes. C'était à l'époque où c'était pas du tout hype à ce point-là, sinon on aurait bien évidemment vidé le stock. Mais ça, pareil, je me souviens de toi avec ça il y a des décennies. Et Baptiste, tu me disais, j'aime pas être Jordan 1. Non. Ouais. Je suis toujours pas fan. Mais moi, sinon, je me souviens, peut-être pas que cette anecdote, c'est quand je l'ai acheté, je suis allé chez le JD et le vendeur m'a dit, mon grand, parce que j'étais jeune, mon grand, si tu gardes cette paire,
elle va prendre de la valeur. Et ma mère et moi, on était avec nous, on n'a pas compris pourquoi il lui a dit ça. Et c'est comme et ça en fait, que je comprends. Et c'est comme ça qu'Ayla est née. Grâce à ce mec. Non, mais en fait, je comprends, effectivement, il avait raison. Tu m'étonnes. Mais voilà. Limite, c'est une paire, c'est un peu une paire d'anciens avec les anciennes étiquettes. C'est vrai, tout, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et il reste deux paires. Ce que je te propose, c'est qu'on va celle-là après la tienne. Vas-y. Bon, bah, celle-là, vous avez vu. Cette paire-là, c'est l'autre paire que je dois remplacer. Et j'ai déjà trouvé par quoi. Mais voilà, chose première, chose due, le plus somme de la stuff. Elles sont encore, genre, la Javel, ouais. Quand tu l'ouvres, ça sent la Javel. Donc voilà, je l'ai détruite. Mais détruite. Mais tu sais que je me demande même comment t'as fait. Je l'ai portée, mais comme un malade. J'ai pris un tel plaisir à la porter. Vraiment. Genre, c'est même phénoménal. C'est même plus un plaisir. Là. Après, la paire est fragile de base. Hein. Ouais. Faut s'en souvenir. Ouais. La paire est fragile de base, mais j'ai pris un plaisir monstre à la porter avec toute l'histoire qu'elle est derrière. On l'a fait ensemble. C'est un peu une autre paire. Et surtout que c'est aussi l'une de nos premières vidéos quand même. C'est une de nos premières vidéos. Et puis voilà, enfin, je sais pas, ça marque un vrai truc pour moi, cette paire, et je la garderai toujours, ça c'est sûr. Elle est magnifique. Enfin, elle reste quand même magnifique par rapport à l'histoire. Et... Quand je la vois, je revois tout ce qu'on a fait, tout ça pour la voir. On a rencontré un mec super sympa et tout sur Paris. Enfin, vraiment, cette paire, c'est vraiment une belle histoire pour moi. Surtout comme on en a chié dans la vidéo, où on n'était pas serein. D'ailleurs, on faisait l'anniversaire d'un pote, on faisait ça super bien. C'est vrai. On a taché nos vêtements. On a tout taché. Cette vidéo a été incroyable. Sa dernière paire qui est un peu différente des autres, parce que là, pour le coup, c'est... Du coup, c'est une off-white, c'est une camisole de 18 ans que ma maman m'a fait. Et qu'on est parti chercher ensemble. Parti à chercher. On avait tourné une vidéo. Qui n'est jamais sortie. Qui n'est jamais sortie parce qu'on n'avait pas encore le matos qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et du coup, la vidéo rendait très bateau, le son était nul. La dernière fois que j'ai mis cette paire, c'était en soirée à mon école. Et elle a un petit peu vécu. Ah ouais. Mais rien de grave, un petit lavage, c'est fini, elle revient neuve. Mais voilà, cette paire aussi, j'ai eu beaucoup de mal à me dire que fallait que je la rentre parce que c'est une paire un peu de luxe et tout. Mais ça y est, ça commence à venir. Je commence à beaucoup plus la rocker et elle est magnifique. Et surtout que même tu sens qu'au niveau du cuir, c'est d'une vraie qualité parce que je la porte. Là, vraiment, elle commence à être bien portée et elle s'abîme pas et tout, juste elle se salit. Mais voilà, en vrai. Je suis vraiment heureux de cet achat. Au début, je me disais, je vais jamais la porter et tout. Et en fait, pas du tout. En tout cas, elle est super belle. Ouais. Et pour la petite anecdote, raconte-nous l'anecdote autour de cette paire, Louis. Très très drôle, à ton baccalauréat. Ah oui, cette paire-là, je l'avais achetée du coup pour mes 18 ans avant mon bac, mon oral de bac. Et la première fois que je l'ai mise, c'était pour mon oral du bac. J'avais dit qu'elle me porterait chance. J'ai eu 8. Du coup, elle ne m'a pas porté chance, mais c'est pas grave. Je l'avais au pied et j'étais heureux. Voilà, c'est le principal. J'ai quand même eu le bac, c'est tout ce qui compte. Et voilà. Bon, c'est une très belle collection. Du coup, l'équipe, c'était ma petite collection. Ouais. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de ces paires. Voilà, c'est que vous préférez. Il y a bien sûr une Air Force One blanche qui n'est pas présente dans la vidéo, malheureusement, mais qui est évidemment présente dans la collection. C'est sûr, ouais. Et voilà, pour les paires qui vont arriver, vous verrez ça bientôt sur la chaîne, parce que c'est sûr que vous verrez ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Toi, ce serait laquelle si tu devais garder une seule paire? Ce serait la Sakai Vapor Waffle Brasil. Ah ouais, ok. Le confort rétro. Ok, ça marche. Bref, voilà les gars, on espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'est parti l'équipe. Salut l'équipe.